Oh, j'ai eu une pêche, les gars. Wouh. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette hebdo crypto, dimanche 25 juin 2023, on va faire un petit bilan sur la semaine, mais surtout on va se projeter un peu sur les prochaines semaines. Je pense qu'on vient vraiment de basculer, on vient de vivre une semaine de rêve sur les marchés. Ce qui va être important, je pense, c'est de savoir profiter d'éventuels gros pumps. Il peut y avoir du FOMO sur certains tokens, des tokens qui vont vraiment exploser ponctuellement. On va aller voir ça, je pense qu'il faudra savoir prendre des bénéfices et je vais vous expliquer ce que je vais faire, des petits trucs que je vais tenter parce que je vais être en vacances dans 10 jours. Par contre, même en vacances, on peut automatiser des ordres de vente, on met des ordres limites, on se fixe un objectif et si ça ne l'atteint pas, bah, il se passera rien du tout. Par contre, s'il y a des tokens, je sais pas, qui font x4, vous pouvez tenter, je tenterai ça moi en tout cas. Vous tentez que le token, à un moment donné, peut-être ponctuellement, il va faire x3, x4, et ben vous mettez votre ordre. Si la valeur vaut 1$, vous le mettez à 4$, et vous tentez, ça mange pas de pain, il se déclenchera peut-être pas du tout. Vous avez peu de chances qu'il se tente, mais des fois, vous savez qu'il y a des excès ponctuels, et il y a des grosses bougies qui se font sur les marchés crypto, et moi, c'est ça un peu ma stratégie sur les prochaines semaines, et en plus, ça me permet de le faire en automatique, sans suivre ça, je serai en vacances, et donc j'aurai d'autres choses à faire. Après, ce qui est super important, c'est que au niveau de la psychologie des gens en général, c'est très très dur de se dire que ça y est, potentiellement, il y a un bull market qui va démarrer. Souvenez-vous, ceux qui étaient là fin 2021, mais surtout début 2022, moi début 2021, vous le savez, je regardais les RSI, je voyais des RSI sur plein de crypto-monnaies, pratiquement à 80, donc j'ai vendu 50% de plein de dossiers, malheureusement, j'ai pas vendu 100%. Et je me souviens qu'à l'époque, ça parlait de buy the dip, que non, c'est vraiment, ça va repartir, on va à 100 000, on va à 150 000. Mais même début 2022, il y avait des gens qui disaient ça. Alors qu'il suffit, vous le savez maintenant, de regarder juste le RSI et laisser parler les gens, passer vos ordres en conséquence. Donc on est vraiment sur une très très bonne dynamique. Je pense qu'on est un peu l'inverse. On vient de se taper 2 ans de baisse et les gens ont du mal à se dire que ça y est, on repart à la hausse. Et il y a encore des gens, mais il y en aura de moins en moins, vous verrez, surtout fin d'année, qui nous disent qu'on va encore à 10 000. On a énormément parlé des grosses baleines qui arrivent, BlackRock ETF, et je ne vais même pas parler de tous les autres. Ce qui est important, c'est qu'un schéma vaut mieux que 20 minutes d'actualité. On l'avait repéré, nos amis de Journal du Coin, là, ils ont été bons. C'était le 5 juin, et dès le 5 juin, ça m'avait rempli vraiment d'optimisme. C'est ici les plus de 10 000. Regardez ce qui se passait récemment, c'était unique. Tout le monde vendait, même les grosses baleines, 1000 à 10 000 vendaient, tout le monde vendait, sauf, grosse anomalie, il y a des gens, on ne savait pas qui c'était à l'époque, qui accumulaient comme des sagouins du Bitcoin, et donc ça c'est très très positif, le Bitcoin vient de basculer, dites-vous bien une chose, les gens, donc BlackRock et tout ça, ils ont énormément acheté ici quand le Bitcoin valait 15, 16, 17 000. Ils ont énormément acheté ici entre 25 et 30 000. Leur cours moyen d'achat du Bitcoin, c'est de 23 000 $. Croyez-vous que ces gens-là, ils vont faire de la moins-value sur 2023? Honnêtement, je n'y crois pas une seconde. Ça veut dire qu'on fait le calcul rapidement. Ils ont acheté à 23 000 $. Ça rend énormément optimiste sur la suite. Voilà leur cours d'achat du Bitcoin. Souvenez-vous, ici, on en a acheté tout ça. Pareil, ils en ont acheté. Mais c'est ça qu'il faut comprendre en synthèse. Et on sait très bien, il y a plein de banques, il y a même le Crédit Agricole qui va ouvrir des services et tout ça. Mais le plus important, c'est ça, concrètement. Le marché, il a basculé parce que voilà, ils sont arrivés. Ils ont défini les points bas du Bitcoin pour moi. Et je vous l'annonce, on touchera plus jamais, les 15 000 $. Et même là, sur 2023, avec tout ce qui va se passer, je pense que potentiellement, on va ranger entre 25 000 et un point haut qu'on va aller chercher. On va aller voir ça. Par rapport à ce qui se passe un peu au niveau macroéconomique, ce qu'il faut bien comprendre en ce moment, c'est que les marchés ont pas mal baissé cette semaine, parce qu'on est sur des plus hauts. Donc le marché, de toute façon, va avoir besoin de digérer à un moment donné. Et comme on dit, quand le marché fait des ATH sur ATH, le marché cherche le moindre prétexte pour baisser.
Après, ce qu'il faut comprendre, et moi j'ai bien aimé cet article de Boursorama encore une fois, c'est que ça a été voulu ou pas. Après, c'est une pièce de théâtre, hein, le discours de la Fed, les minutes. Il fait 4 discours dans le mois qui suit, c'est bon, t'as fait le compte-rendu de la FOMC, et non, il y a des réunions où il fait des minutes, deux minutes, il va passer devant le Sénat pour redire ce qu'il a dit, et donc voilà, c'est une pièce de théâtre. Par contre, il a laissé passer ce qu'on appelle des dot plots, c'est un sorte de graphique à points. En gros, il a montré un graphique qui montre les prévisions de taux de la Fed à la fin de l'année, et là, ils ont repéré, donc c'est voulu, je pense, hein, c'est une pièce de théâtre, mais on a vu 5,50 à 5,75. Alors que le marché est très optimiste, il pense qu'en juillet, ils vont augmenter de 0,25. Ça, c'est sûr, c'est fin juillet. Mais ensuite, il pense que le marché va arrêter. Et ça, ça contredit cette thèse. Ça veut dire qu'il y aura encore une autre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas une hausse de 0,25. Il y en aura encore une autre sur le second semestre. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Moi, personnellement, ça change rien du tout. Ça veut dire qu'il augmente de 25 sur la fin de l'année ou 0,5 avant la fin de l'année. Qu'on soit à 5,50 en taux ou 5,75, c'est exactement la même chose pour moi. C'est juste que le marché est très sensible et attend le moment où ça y est, ça sera la dernière fois. Il pensait que c'était en juillet, ça sera peut-être en septembre, en octobre, en novembre. Honnêtement, on s'en fout en fait. Mais le marché est très sensible sur ce sujet-là. Et je pense que la vraie raison, c'est que les marchés CAC 40, DAX, ce que vous voulez, ils sont tous au plus haut tout simplement. Et ils baisseront à la rentrée, je pense, tout simplement. Voilà, donc les marchés, voilà, il a un peu baissé le CAC, il est allé toucher 7005 au plus haut, mais le DAX, il est pas loin de ses plus hauts, le Nasdaq, il est pas loin de ses plus hauts, le Dow Jones aussi, tout simplement, faut pas chercher midi 14h. La semaine prochaine, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir pas mal de grosses actualités, une semaine sur deux, la semaine dernière, il y avait rien, cette semaine sera peut-être la dernière grosse semaine, parce qu'après, on va être en mode été, en tout cas, je le serai à titre perso. Lundi, il y aura un gros indicateur super intéressant en ce moment, c'est l'indice IFO. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit souvent que la Chine, c'est l'usine du monde, mais la Chine, pour être l'usine du monde, eh ben, derrière, il y a un pays qui lui fournit toutes ses machines-outils, c'est l'outilleur du monde, c'est l'Allemagne. Et donc l'Allemagne, avec toute l'inflation et tout ça, en ce moment, il galère beaucoup plus que nous en France, et par rapport à beaucoup, c'est le gros pays exportateur européen. Et grosso modo, l'indice IFO, il va être intéressant lundi, ça va donner une grosse tendance sur l'Allemagne et donc sur l'économie européenne. C'est un indice d'activité en Allemagne. Mardi, on va avoir pas mal de statistiques aux États-Unis. Souvent, le mardi à jeudi, c'est là qu'il y a toutes les stats. Logement neuf, confiance des consommateurs, commande de biens durables, pas mal de choses qui touchent à l'inflation. Parce que maintenant, ça va être ça dans les prochains mois. La seule statistique qu'il faut suivre, c'est l'inflation. Il faut que l'inflation ait des bonnes statistiques, comme ça, ça va freiner la Fed et peut-être que au final, ils se diront, il n'y a pas besoin d'augmenter après juillet. Voilà un peu le jeu. Stock de pétrole, inflation. Jeudi, énormément de statistiques. Le PIB est très hyper important. Le chômage aussi, parce que la Fed, ce qu'elle veut voir, c'est presque des statistiques du chômage qui se détériorent. Et vendredi, vous voyez, une semaine, une grosse dernière semaine avant l'été, je pense. Confiance du Michigan, revenus, dépenses, taux de chômage en Europe, prix à la consommation aussi en Europe. Ensuite, je fais une petite parenthèse, ça peut vous être utile, en tous les cas, moi j'ai des enfants, ils n'ont pas 18 ans parce qu'il faut avoir 18 ans pour l'avoir, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce produit-là, faut avoir des faibles revenus pour pouvoir ouvrir un livret d'épargne populaire, j'en parle en parenthèse, parce que moi, à titre personnel, mes enfants à 18 ans, je leur ouvre un LEP parce que c'est un taux de folie, 6-10 c'est quand même un énorme taux, et un PEA. Voilà, mais il faut de la variété, il faut de la gestion de risque et tout ça. Et moi, mes enfants à 18 ans, je vous le dis, comme ça je partage ce truc-là, je leur ouvre un LEP, parce qu'il faut avoir des faibles revenus, donc mes enfants à 18 ans, ils seront étudiants, donc ils n'auront pas de revenus. Je leur ouvre un LEP, je leur ouvre un PEA avec des petites actions et tout ça. Mais LEP, en ce moment, c'est très intéressant. Si vous avez regardé les conditions de revenus, vous tapez LEP, vous allez sur le site de la Banque de France, ils vous expliquent les conditions de revenus. Et en ce moment, pour moi, dans les produits sans risque, il y en a qui me disent « Non, mais achète des stablecoins, tu les stacks et tout ça. » Non, non, ça, c'est pas sans risque, ça. Vous savez très bien. Moi, je vous parle d'un produit sans risque, garanti par l'État. C'est ça, du sans risque. Faut pas tout mélanger. Hein. Les gens, des fois, ils me disent « Non, mais pourquoi tu parles de ces produits-là alors qu'il y a du stacking, de stablecoin ?» Non, non, arrêtez avec vos stablecoins, c'est pas du sans risque. USDC, US2, LUNC et tout ça. Donc, c'est intéressant, je le partage. Ensuite, là, c'est intéressant, il y a eu une énorme hausse des volumes, et on en a moins parlé, mais je regardais beaucoup les volumes d'Ethereum tout de suite dans la folie, ils ont pas mal explosé. Ce qui est intéressant, c'est que les volumes sur les exchanges sont très très bas. Il a même atteint un all-time low. Ça veut dire, sur les exchanges, il n'y a jamais eu aussi peu d'Ethereum. En général, c'est bullish. Moi, je vais vous donner aussi mon interprétation, c'est que je me méfie de ces statistiques, tout simplement.
Je me méfie de ces statistiques parce qu'on peut surinterpréter ce genre de statistiques. Ne l'oubliez pas en ce moment, juste Binance US, avec tous les problèmes de Coinbase, la mise à feu qui a été faite par la SEC, dites-vous bien qu'il y a des millions de gens qui ont sorti leur ou qui ont vendu leur Ethereum. Plein qui ont sorti, c'est ce que moi je fais, je sors toutes mes altcoins, toutes mes cryptos de Binance, de tout ça, je vais sur les DEX en ce moment, on en reparlera, et je vais sur d'autres plateformes. Donc faut se méfier de ce genre de statistiques. Maintenant, comme ça, intrinsèquement, c'est une très très bonne statistique, on verra si ça paye, mais plusieurs fois on nous a annoncé que le Bitcoin c'était au point bas au niveau des exchanges, et deux semaines après, le Bitcoin il faisait moins 30%, souvenez-vous, en 2022. Donc je me méfie de ces statistiques. C'est important de ne pas prendre l'info comme ça et de surréagir sur ce genre de statistiques. C'est bien, il faut la croiser avec d'autres statistiques, comme je vous dis, mais il ne faut pas sur... Ça, par contre, il faut faire très attention. Ce sont les options, ça finit vendredi, le dernier vendredi du mois, donc on va aller voir. Et les statistiques, elles sont jamais... Les options se sont autant trompées. Déjà, on a des volumes de fou, 4,62, on a 3 milliards de calls, donc des gens qui jouent à la hausse, sur cette fin de mois, et on a 1,60 milliard qui jouent la baisse. Eux, ils vont perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Le max pain, il est à 25 500. Et ce qui est fou, c'est qu'en début du mois, vous vous en souvenez, je le regarde. Là, à la fin de la semaine, je vais regarder tout de suite celui du mois d'après, de fin juillet, pour commencer à voir les prix. On peut aller le voir, d'ailleurs. Hop, on ira voir. Mais le truc, c'est qu'il était à 24 000 en début du mois. Il est remonté, il est à 25 500, mais il a complètement tout faux. Alors lui, il annonce la fin du monde pour vendredi, là. Si on regarde les options. Honnêtement, 25 500 alors qu'on est à presque à 31 000, il annonce un moins 20% pour vendredi. Mais il se trompe complètement, et les gens, je pense qu'il y a des gens qui font pas mal de puts, ils vont perdre énormément d'argent, et vous voyez, c'est une information qui est contradictoire. C'est le seul truc négatif pour cette semaine, on a vu l'actualité, mais ce truc-là, pour moi, c'est pas très positif. On va aller voir, je pense que ça aura un impact et ça mettra en tous les cas de la pression, de la volatilité sur le marché, parce qu'il y a des tels écarts entre les prix cibles et les prix spot, les prix en gros futurs versus les prix spot, c'est très très bizarre. Ensuite, par rapport à la semaine, bah, très très belle semaine, hein, regardez sur une semaine, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des maps, on a PP, je vous ai dit, c'est le genre de token, laisser traîner un billet, moi en tous les cas je le fais, BCH qui est rentré dans la liste des 4 valeurs proposées par les grosses banques qui ont créé leur exchange, tous les dérivés, on a des FTM, STX, AAVE aussi, ça fait très très longtemps, XRD je suis dessus et il est en train de complètement exploser, on a des belles hausses, ce qui est intéressant c'est d'aller voir la Ligue 2, parce que c'est là qu'on a les tokens qui vont faire des très très belles paires, je pense. KDA qui revient super bien. Celo, ça fait super plaisir. Celo, ça fait super plaisir qu'ils reviennent. Personne n'en parle. Moi, ça fait partie de ces dossiers que j'aime énormément. Tout le monde s'en fout de ce projet-là, mais son jour viendra. J'aime beaucoup ce projet-là. Ça me permet d'en parler rapidement. Ils utilisent le téléphone. Ils veulent rendre accessible à des milliards de personnes sur Terre un accès à un compte en banque juste avec un téléphone basique. Moi, je suis bluffé par le projet. Ça, en ce moment, le marché il s'en fout un peu de ce projet-là, mais son heure viendra, par exemple. Donc, on a des très, très belles perfs. Après, ce qu'on peut aller voir rapidement, ce sont les volumes. Hop, hop, hop. Sur la semaine, qui est intéressant, on dit souvent, c'est pas encore l'alcool season. Par exemple, sur cette semaine, je vous ai mis les classements du top 100. Du top 100, tout simplement. Bitcoin Cash, PP, AAVE, Kava, Stacks. On appelle ça quoi? Regardez, le Bitcoin, il est où? Tout simplement. Alors, c'est pas grand-chose, c'est sur une semaine. Mais sur une semaine, on est vraiment sur une altcoin season. Il y a une cinquantaine de tokens qui bouffent le Bitcoin sur la semaine. Voilà. Ensuite, le truc qu'on va devoir suivre, c'est vraiment physique. Là, c'est un peu comme XRP qui essaye de passer une résistance. C'est les indices sur euro-dollar. Ça serait cool qu'il passe tranquillement là pendant les semaines. Je pense que le vrai bull run sur le Bitcoin, vous verrez, il va coïncider avec l'explosion des indices sur l'euro. Ensuite, tout simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est on va se mettre en 4 heures et on va aller faire un petit tour des différentes cryptos que l'on suit. Hop, voilà, on va se mettre en 4 heures. C'est pas mal en 4 heures pour suivre. On connaît par cœur on va se mettre vite fait la big picture. On a explosé, rebond. L'idée, c'est jusqu'où on va aller. On va se mettre en weekly. Moi, je pense qu'on va aller taper la zone des 36-40 000, tout simplement. Là, vous voyez qu'il y a pas mal de mèches qui peuvent faire office de résistance. Mais on est en train de les péter. C'est pour ça que c'est dur en ce moment. C'est qu'ici, il y a beaucoup de mèches autour des 30 000. 30 003. 30 004.
Voilà. Et après, on arrive tout de suite largement au-dessus. Et donc, je pense que là, il y a une grosse zone. Ce qui est super intéressant en synthèse, moi, c'est ce que je vais suivre pendant les vacances, très très rapide. Je vais suivre en weekly, voilà, pendant mes vacances, pour vous dire. En weekly, le Bitcoin, et je regarderai le support, c'est la moyenne mobile 50 semaines. Et la résistance, c'est la moyenne mobile 100 semaines. Le jour où on expose la moyenne mobile 100, pour moi, c'est un énorme signal. Ici, ça va faire comme un range, vous allez voir. Et je pense qu'on va ranger peut-être pendant 6 mois, à part si on l'explose par le haut. Peut-être qu'on va l'exploser, il faudra prendre des bénéfices. Et ensuite, on va revenir, on va ranger. Ça va définir un range, vous allez voir, la moyenne mobile 50 et 100 semaines. Ça va être très joli à voir. Et regardez comme c'est propre, boum, boum, épaule, tête, épaule, explosion, rebond, parfaite. Honnêtement, il n'y a rien à ça, passer de plus de temps, on en a beaucoup parlé. Mais ça fait plaisir quand ça se délivre. En 4 heures, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici, bull flag, on a explosé, bull flag. Pour moi, la dynamique, c'est un truc de dingue. Je vous verrai, il va exploser le Bitcoin. Sur l'Ethereum, c'est un truc de fou. On est en train de faire... Ouh là là, j'espère que c'est comme un W là qu'on fait, mais pareil, grosso modo, c'est un bull flag sur Ethereum. Un truc de dingue. BNB, je voulais vous le montrer parce qu'il y a une petite... c'est peut-être avec tout ce qui se passe, j'ai oublié d'en parler. Ça me permet de parler de Binance. Interdit en Belgique. Est-ce que ça va être interdit en France? En fait, c'est vrai que j'ai oublié qu'ils ont le statut de PSAN quand même en France. Ça veut dire qu'ils ont validé quelque chose en France. Et effectivement, s'ils étaient interdits, ça serait très bizarre. C'est-à-dire que les gens qui ont agréé PSAN Binance, je suis désolé, ils ont mal fait leur boulot. Donc finalement, j'y crois pas trop, mais on sait jamais, et je préconise d'aller sur d'autres plateformes. En ce moment, je vais énormément sur Kraken, je reviens, c'est un autre compte backup de Binance, et c'est un compte que j'ai, ça a été mon premier compte Kraken en plus. Et donc je reviens pas mal sur Kraken, ça me permet de stacker pas mal sur Kraken. Je suis sur Mexé, en ce moment je privilégie la sécurité au stacking aussi, c'est pas grave. De toute façon, si c'est pour gagner, en ce moment, c'est faible quand même. Je vais perdre quelques dizaines d'euros par mois. Honnêtement, je m'en fous de la sécurité avant tout. Surtout, je suis en vacances, je serai reposé en me disant il se passe quoi que ce soit avec Binance cet été. Faut anticiper. Et après, c'est une règle de base que je vais dire à tout le monde. Il y a des gens qui me disent « Ouais, moi, je suis que sur Binance et tout ça. » Dans les cryptos, ça n'existe pas. Je suis que sur Binance. Vous êtes obligatoirement sur 2, 3 déjà des exchanges centralisés. Parce qu'on ne sait jamais avec tout ce qui se passe. Et Kraken, moi, j'aime bien parce qu'au niveau réglementation, ils sont pas mal. Mais c'est pas possible d'être que sur une plateforme. Là, il y a, en Belgique, il y a des gens, on leur dit, bah, vous devez tout vous débarrasser. Maintenant, c'est très très simple. Vous allez sur Mexé, honnêtement, en 10 minutes, vous faites le KYC et tout, vous ouvrez un compte sur Mexé. Faites-le sur Kraken, faites-le, et j'ai aucun partenariat, faites-le sur les plateformes que vous voulez. Et à un moment donné, on parlera des DEX, mais les DEX, moi, je suis en train de monter en compétences. Je connais pas assez, par exemple, des Y, des X, c'est le début. Je me régale en ce moment, mais je peux pas encore vraiment en parler. J'ai besoin de pratiquer avant d'en parler plus tard. Et BNB, on voit bien qu'il a bien rebondi ici. Moi, j'en ai pris ici. Malheureusement, il nous fait une figure pas très cool. Et on a vu des bull flags là. Ça ressemble peut-être à un bear flag. Donc peut-être qu'il va aller plus bas. Si c'est vraiment un bear flag, on verra si c'est confirmé. Il va aller plus bas. Moi, j'ai encore de la liquidité pour des dossiers. Maintenant, c'est un peu en risque, mais je pense que je renforcerai quand même. S'il y a une grosse chute, si ça va se rapprocher des 200$, je prépare de la liquidité pour cet été. Vous savez, j'avais prévu pour acheter du Binance, du Atom et du Polygon Matic. J'ai acheté du Polygon Matic. BitTensor, ça se passe pas super bien, moi, je trouve. J'espère que cette semaine, ils vont vite résoudre leurs problèmes. Parce que si fin de semaine prochaine, ils ont pas résolu, bah, peut-être je prendrai des décisions. Pareil, je pars en vacances. J'ai envie de partir en vacances tranquille. Et j'en ai énormément. J'ai mis 9 000 € sur Tao BitTensor. Et peut-être qu'à un moment donné, j'allégerai, je sais pas, de 25% ma position. Par mesure de précaution, on sait jamais. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est de la saine gestion. C'est aussi ça l'objet. C'est des fois, vous partagez ma passion et ma découverte de certains projets. Par contre, dans la gestion de ce que j'investis, pratiquement, c'est pas pratiquement, ça vaut plus d'un montant à 5 chiffres ce que j'ai aujourd'hui en Tao. Et là, on en reparlera en fin de semaine. S'ils ont corrigé, bah, très bien. Mais si en fin de semaine, ils n'ont pas corrigé, je considère que ça fait trop longtemps, là. Et c'est ce qui se passe. Regardez, on est sur un triangle. On va se remettre en 4 heures, ce sera plus clair. Et en gros, il y a toujours 50%, 50-50. Ça va être tranché la semaine prochaine, en plus. Mais là, il a l'air de casser par le sud. Donc, on verra. Et mon cours moyen, c'est $45 sur ce token. Donc voilà, je prendrai une toute petite plus-value. Mais c'est pas l'objet de prendre une plus-value. C'est aussi, pareil, se mettre en mode tranquille pour les vacances. Ça peut intéresser pas mal de gens. Voilà, si on part 2, 3, 4 semaines, voilà, et pouvoir être tranquille et faire une gestion simple de son portefeuille. Cosmos, ça se passe super bien. Vraiment, c'est en train de rebondir parfaitement. Polygon Matic, j'espère que ça va bien exploser. Et je le pense, j'en ai racheté. Et si à un moment donné, il y a un coup de faiblesse, j'en reprends encore, comme je vous l'expliquais.
Polkadot, j'aime bien parce que c'est l'exemple du DCA que j'aime bien. Je suis pas du tout fan du DCA. Je trouve que quand on vous demande ouais, comment je peux investir dans les cryptos DCA, c'est une réponse un peu banale. Moi, j'aime bien être précis. Par exemple, j'ai fait du DCA sur Bitcoin. D'ailleurs, souvenez-vous, je vais en parler rapidement. C'est que j'ai fait du DCA sur Bitcoin depuis le mois d'octobre. Ça veut dire le Bitcoin, il valait même pas. C'était avant qu'il y ait FTX. Et j'ai acheté bien avant, autour des 20 000. J'en ai acheté à 15 000 tous les jours, 20 euros. Et je vous ai dit, dès qu'il arrive aux 30 000, j'arrête. J'ai arrêté récemment parce que maintenant, je fais du DCA. Mais pendant pratiquement 6-7 mois, j'ai fait du DCA sur Bitcoin. Là, d'accord. Mais vous voyez, j'ai acheté entre 20 et 25 000, grosso modo. J'achète plus au-dessus de 30 000, ça sert à rien. Ethereum, de la même manière, tout de suite, je fais encore du DCA. N'oubliez pas, depuis pratiquement 5 mois, je mets 15 euros par jour. 15 euros par jour, le jour où il explose franchement les 2 000 $, je vous l'ai déjà expliqué, j'arrête mon DCA. Voilà mon DCA. Et maintenant, je vais finir avec DOT. Oui, je fais du DCA sur DOT, mais il faut être très précis quand je dis je fais du DCA. J'ai commencé ici en mars. Donc j'ai commencé, j'en ai acheté pas mal autour de 6,5, si ça se passait bien. Ça s'est écroulé. J'en achète 15 euros tous les jours. Et là, par contre, ça va être un DCA très long. Je te prends un gros pari parce que pour moi, elle est complètement dévalorisée, les altcoins et tout ça. Et donc, je vais en acheter et je vais en acheter potentiellement jusque, je sais pas, 8, 9, 10 dans ces eaux-là. Et voilà. Donc, je fais du DCA, mais avec un point d'entrée où je me dis, je suis sur les plus bas là de 4 ans. Et j'en fais avec une fin. Je fais pas du DCA, par exemple. Faire du DCA maintenant, il y a beaucoup de gens là en ce moment qui commencent à craquer et à se dire, bah, finalement, il y a que le Bitcoin. Qui se transforme en Bitcoin maximaliste, je trouve que c'est l'une des plus grosses bêtises. Le Bitcoin, il fallait l'acheter comme je l'ai fait, entre 15 et 25 000, là c'était nickel. Maintenant, se dire tout de suite craquer et se dire je vais acheter du Bitcoin, le Bitcoin peut-être qu'il va aller à 40 000, vous en achetez au plus haut, vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné, il faut avoir une gestion. ILV, c'est pas mal, on attend que ça explose, je vais aller très rapidement sur certains dossiers. Chainlink, ça fait super plaisir, je vous en ai parlé, j'ai hésité à en prendre massivement ici. Ouais. J'en ai pas repris massivement, c'était un super W, et c'est super. Ceux qui en ont pris, je sais qu'il y en a pas mal qui en ont repris, c'était coup de fusil, 5 $, ça veut rien dire. STX magnifique, explosion comme le Bitcoin, peut-être pullback ici, et ici ce sera un super coup pour en reprendre, et après boum, on espère. CKB, par contre j'en ai repris justement, j'ai pas pris de Chainlink récemment, j'ai repris un peu de CKB pour être cohérent, c'est un projet que j'adore, et je trouvais que j'en avais pas assez. J'en ai pris dans un autre portefeuille, j'en avais à peu près sur 1000 euros, même plus de 1000 euros maintenant, ça a repris dans mon portefeuille d'ICA, mais j'en ai repris encore pour pratiquement 2000 euros sur mon là récemment du CKB, comme je vous l'ai expliqué récemment. Cadena, pareil, j'en ai repris, c'est au plus bas, c'est n'importe quoi le cours. Honnêtement, faut pas se laisser, c'est pas parce que c'est dur et que c'est au plus bas et que ça a encore des plus bas, de plus bas, de plus bas, de plus bas depuis 2 ans. Moi, j'en ai repris et c'est un projet magnifique, je reste confiant. Ocean Protocol, ça stagne, mais on voit bien que finalement, ça a explosé. Pour les plus optimistes sur du long terme, regardez, vraiment, hein, si vous êtes long terme, énorme bull flag. Je pense que, et il y a beaucoup de tokens qui sont comme ça en ce moment. C'est pour ça que je reste très, c'est pas que je reste optimiste, mais je garde la foi et faut être patient. Pareil, regardez ce flag sur GRT. Fetch. Magnifique. Flag. Et surtout, explosion. Peut-être rebond. Moi, je l'attendais un peu plus bas. Comme d'hab, il me donne un peu comme Caspa. Il allait rebondir juste avant. Mais flag aussi. Encore pas mal. Il se reprend vraiment pas mal. Ça fait plaisir. XRD, je vous l'ai dit, c'est ma valeur. Et je vous en ai énormément parlé ici. Je vous ai dit, pour moi, c'est un coup de fusil sous les 6 centimes. J'en ai acheté pas mal. J'en ai pratiquement pris pour 800 euros. Et c'est en train d'exploser. Ça a pris 50% là. Et je pense que c'est que le début. FTM, pareil, j'en ai repris récemment. Et pareil, dans la DeFi, c'est vraiment un très très beau projet. Ça fait partie de mes projets préférés. Je vous en ai beaucoup parlé ici. Et je pense que pareil, ça va continuer. App, j'espère que ça va reprendre. Ça s'est vraiment écroulé. VeChain qui revient. VeChain, ça faisait longtemps. Ça revient très très bien. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. PP qui revient. Vojack qui revient, mais pas encore les bougies qu'on veut voir là. Et moi, tout simplement, c'est des dossiers PP, Vojack, tout ça. À un moment donné, je me disais que tous ces bénéfices, je les mettrais sur Tao. Dans le contexte actuel, je pense que je renforcerais des gros dossiers majeurs parmi mes 10 gros dossiers majeurs. Celo, ça fait plaisir. Petit rebond, mais rien du tout encore d'énorme. Flux,
On the Flux, c'est vraiment propre aussi. On rebond, on voit bien. Énorme W hein, pour les gens long terme. C'était des écours magnifiques. On en a vu beaucoup. AVAX, pareil, long terme. Énorme W, c'est reparti. Cardano, W. Hop. XRP, ça galère. BAT, magnifique. W. WB. NIR, W. C'est un truc de dingue quand même. Là, c'est pas W, c'est un W bizarre, bancal. Il est allé chercher, il a trouvé du pétrole. Voilà. Pour moi, le rouge, là, c'est, on essaye d'aller plus bas que les plus bas. On va chercher du pétrole. Je pense que les gens qui en achetaient à 10 centimes, c'était un cours historique. Mais voilà. Ça arrête pas de faire des plus bas de plus en plus bas. La dynamique ne s'est pas inversée sur Algorand. C'est ça qui est pas rassurant. C'est pour ça que je longue pas Algorand, par exemple. GLMR, c'est difficile. C'est difficile, mais j'ai une position. On garde ça. Quantum, pas mal. W, et quand vous voyez que le point le plus bas ici, oh, quoi que la tige là, elle est presque, ouais, magnifique. Il est allé chercher le W, tout simplement. Horizon, c'est dur, c'est très très dur, mais ça a l'air de reprendre. Decred, c'est dur aussi, tout ce qui est les tokens délistés par Binance. Zilliqa, ça se reprend pas mal, c'est aux portes du top 100, personne n'en parle, vous savez, moi ça fait partie des dossiers que j'aime bien, super W. Klain, pareil, un espèce de W. Axelar, ça de loin. Chili's, qu'est-ce que je vous ai dit? Hallelujah. On est re-rentré dans le triangle. Maintenant, est-ce que ce qui serait beau, c'est qu'il explose par le nord. C'est-à-dire que là, il a tenté, on était positif, il va y arriver. Là, exaspération. Là, capitulation. Et quand ça capitule, ça veut dire que là, c'est la fin du monde. Là, imaginez, c'est incroyable. Là, c'était la fin du monde et on peut se retrouver très très vite de la fin du monde au paradis dans les cryptos. Phil, c'est pas mal. Pareil, W avec plus haut. Non, il est allé chercher la mèche. W, c'est incroyable. Flo, je vous ai dit, il va se passer un truc. Honnêtement, en juillet, si vous voyez des plus 100%, des plus 80% sur Flo, vous penserez à moi. Je vous ai dit, ça restera pas lettre morte. Super, ça a fini la baisse, en fait. Ça n'arrivait pas à trouver de la baisse. C'est les volumes, l'explosion des volumes qui a fait arrêter la baisse. Et souvent, c'est les prémices d'une explosion. On verra. Peut-être chanter un coup, un long, on verra à un moment donné. Jamie, c'est pas mal, W aussi. Kant, ça galère autour des 100, mais ça tient les 100. DYDX, c'est pas mal, pareil, une espèce de W, une mèche pour aller chercher pratiquement ici. Theta, c'est vraiment pas mal, c'est aller chercher très bas, c'est aller chercher plus bas qu'ici, c'est pas rassurant. Loopring, pareil, hein, les mèches pour faire le W, nickel. Incroyable, hein. Iota, c'est pareil, ça repart. Edera, j'entends des choses positives, mais je me méfie des news que j'entends, mais j'entends des trucs positifs en termes de news. Ça a l'air de W aussi. Rose, W. Casper, ah bah là, c'est un trade magnifique. Hein. Vous voyez, ça descend, ça chute, mais ça va chercher des plus bas. On peut tracer un support oblique que je ne vais pas faire. RNDR, je n'achète pas, c'est trop cher. On attend des grosses chutes. Cake, ah, incroyable, les amis, j'avais pas vu Cake. On va aller le regarder en 4 heures. Oh, le Kekus, qu'est-ce qu'il nous fait? In the name. Alors, hop, hop, hop. Pif, paf, paf. Est-ce que je ne mettrais pas 10 balles ou 20 balles sur un long? Ouais, il y a peut-être un retournement. Vous voyez, comme quoi, des fois, on ne l'attend plus. Voilà, et le truc, il va rebondir, en fait. Honnêtement, j'ai pas de temps à perdre avec Cake en ce moment. Mais il y a peut-être un truc à jouer. IMX, c'est joli. Gala, ouais, pas mal. Lunce, on suit ça très rapidement. Cass, ouais. J'ai l'impression que ça va aller chercher les plus hauts. On verra plus tard, je suis ça de loin. Agix, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai déjà beaucoup d'intelligence artificielle et il faut pas trop mettre tous les œufs dans le même panier. J'ai déjà énormément de valeur et en fait, je vais pas en prendre. Et ça, je le suis de loin. Tron, la force tranquille quand même, mine de rien. Tron, waouh, wow. C'est dans le top 10 aujourd'hui. Sick, on garde ça dans le métaverse, tout ça. J'ai une petite ligne, vous le savez, c'est des petites lignes à chaque fois. Et l'indice de Nasdaq qui est en train de saturer. Bah, ça sera tout par rapport à ce morning. En tout cas, j'ai oublié de vous dire, petit cadeau, je vous sors un top 10. Cet top 10, il va être hyper important parce que vous le savez, potentiellement, il va y avoir des explosions, des feux d'artifice sur certaines altcoins là, pendant les prochaines semaines. Ce top 10, pour moi, il est hyper important. J'ai appelé ça top 10 de l'été 2023. Je vous sors ça.
Et je vous sors vraiment 10 dossiers, et vous verrez la particularité, c'est que c'est la dynamique de ces dernières semaines. Je me concentre que sur du lourd, que sur des très très gros dossiers. Pas de prise de risque, on va pas partir sur des dossiers NFT, Metaverse, non, que des gros dossiers. Gros top 10, ça sortira à 17h. Je vous souhaite un bon dimanche, profitez bien, et je vous dis à très bientôt. Ciao tutti.